Eh bien, salut à tous, salut à toutes, vous êtes bien avec Cartman aujourd'hui pour une vidéo Mass Effect 2. Jack m'a demandé un service suite à son enfance perturbée. Elle a été enfermée dans un camp, on peut pas dire une colonie de vacances, mais un camp de biotique où c'était marche ou crève, elle fait des tests tel un cobaye. C'est Cerberus qui tire les ficelles malgré que je bosse pour eux. Pour le moment, en fait, je bosse pas pour eux, je bosse pour moi, mais grâce à eux. Et on va se venger d'un camp d'entraînement de pauvres petits enfants comme elle. On voit d'ailleurs le look qui est là, elle a pas bien supporté. Tiens, on va prendre un crâne. Voilà. Maintenant, gros big up à mes abonnés et vidéo, let's go! Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? 6 points. C'est quoi ça? Alors, je sens. Si on peut donner ça, puis garder 3 points, donc ça, s'il y a un point qui arrive. Toujours ça. Bon, voilà. J'avais oublié à quel point je déteste cet endroit. Vous voyez la plateforme d'atterrissage? Elle est forcément sur le toit. Sinon, la végétation la recouvrirait en quelques heures. Shepard, je détecte des signatures thermiques partout, sauf sur votre aire d'atterrissage. Quelque chose perturbe les capteurs. Ouais, avec eux, c'est construit pour durer. J'ai fait une erreur de revenir ici, Shepard. Quand on commence une mission, on l'effectue jusqu'au bout. Ok, ok, bon. On débarque ? C'est vrai que je débarde ici. Alors, on va un peu. Donc, il y a. Jack. Jack. Ici. Bon. On y va. Visiblement. Regarde par là. Jack qui connaît bien les lieux pourrait m'aider. Je suis d'avis qu'on entre et qu'on pose la bombe. Voilà. Je vais voir cramer cet endroit. Là, c'est ce qu'on veut lui faire. C'est le truc. J'ai jamais vu cette pièce. Mais ici. Ces conteneurs. Ça devait être comme ça qu'ils faisaient venir les nouveaux gamins. Ils arrivaient à moitié fous et morts de faim, mais en vie. Enfin, d'habitude. On va fouiller un peu ailleurs, hein. On sait jamais ce qu'on peut y trouver. Alors là, blanc. D'accord, je peux reprendre. Alors. Tac, après. Celui-là. Celui-là, il est bleu. En haut. L'homme trouble a encore demandé les rapports d'activité. Ils étaient en train de comploter dans le dos de l'homme trouble. Il n'a pas précisé ce qu'il cachait à l'homme trouble.
Je suis arrivée ici. Entre deux combats, j'ai vu le soleil filtrer par les fissures du plafond. Il n'y avait plus qu'un garde à moitié mort qui me séparait de la liberté, qui m'implorait de l'épargner. C'est le désert. Ils nous ont vus. Non, bah, la faune locale est revenue. C'est vraiment bien affecté. On va voir ça le temps. Officier de sécurité Zemgel, complexe Teltin. Les sujets sont sortis de leurs cellules. Ils détruisent tout. Le sujet zéro va s'échapper. Demande autorisation de mise à mort. Je répète, demande autorisation de mise à mort. Accordé pour tous les sujets autres que zéro. Gardez Jack en vie. Bien reçu. Je commence à... Ça ne colle pas. Je me suis évadé quand mes gardes ont disparu. C'est moi qui ai lancé la révolte. Il a pu se passer des choses que vous n'avez pas vues. Les autres gamins m'attaquaient. Les gardes m'attaquaient. Les systèmes automatisés m'attaquaient. Je sais pas. Ça me paraît assez clair comme situation. Cet endroit est censé être désert. Qui a tué ce Varenne alors? Il est encore chaud. On s'est fait repérer. Ça va très vite. Plus que ça. Décoller mon truc, bah avance, du coup ils m'ont arrêté. Une morgue ici? Dans un centre aussi petit? Les autres enfants ont dû mourir en masse ici. Même eux faisaient partie de l'expérience. Connerie. C'est moi qui ai reçu le pire traitement, et je m'en suis tiré. It's open. Ça fait bizarre de revenir ici. Une sacrée putain de frustration. Je suis une sale garce. Et tout d'un coup, me voilà retombée en enfance. Et merde, c'est compliqué. Allez,
On va planter la bombe. Ils nous ont vus. J'essaie de regarder s'il n'y a pas des documents ou quelque chose d'important. Voilà, c'est des cellules. Des choses qui sont là. Oui, les cellules à droite. C'est une vitre sans teint. Ma cellule est de l'autre côté. Je voyais tous les autres enfants par là. Je leur criais dessus pendant des heures. Mais ils faisaient jamais attention à moi. Entrée 1054, complexe Teltin. La dernière série d'expérimentations Pergnim n'a pas fourni les résultats escomptés. Les sujets 1, 4 et 6 sont morts. Aucune manifestation biotique chez les autres. Nous avons abaissé la température corporelle des sujets survivants, sans constater toutefois de réaction notable hormis leur mort. Mieux vaut éviter de soumettre Zéro à ce traitement. J'espère que nous n'allons pas être à court de sujets biotiques. Notre stock diminue à vue d'œil. Il faisait des tests sur les autres enfants pour me garder en vie. Je vais gerber. Cet endroit avait pour seul but de vous façonner. Vous pigez pas, Shepard ? J'ai survécu parce que j'étais plus forte que les autres. Voilà qui je suis. Vous en êtes sortie plus forte. Pas ici. Et Arèche, c'est Curec. Ouais, les intrus sont là. Si tu veux qu'ils crèvent, faut parler argent. Tu nous as assuré qu'il y aurait plein de trucs à récupérer. Mais c'est mort ici. D'accord, on les abat. Ensuite, j'arrive et on parle du butin. Qu'est-ce que vous faites là? D'abord, on vous tue, ensuite, on verra. Je suis prêt. Rapportez-moi leur tête, c'est un ordre. C'est fini pour toi. Le programme réplique. On approche. Ah, elle m'a touché, j'hallucine.
Je pensais que Jack aurait fait quelque chose dans l'ordre avec le BM des droites. Bah non, je me suis planté. Donc vaut mieux pas trop s'approcher. En plus, ils sont bien blindés ceux-là. On recommence. Et Arèche, c'est Curec. Ouais, les intrus sont là. Si tu veux qu'ils crèvent, faut parler argent. Tu nous as assuré qu'il y aurait plein de trucs à récupérer. Mais c'est mort ici. D'accord, on les abat. Ensuite, j'arrive et on parle du butin. Vous êtes en travers de ma route. À l'attaque! Une seule pièce, trio. Mon ancienne cellule. Je ne sais pas qui c'est, Arèche, mais c'est là qu'il est. De toute façon, c'est là que je veux poser la bombe. Autant la poser sur son cadavre. Sortez, nous savons que vous êtes là. Qui êtes-vous ? Mon nom est Arèche, et vous empiétez sur mon domicile. Je te connais, sujet zéro. Depuis toutes ces années, je croyais être le seul survivant. Je m'appelle Jack. Qu'est-ce qui te fait croire que tu me connais ? On connaissait tous ton visage, Jack. Ils nous faisaient subir les pires atrocités pour que leurs expériences ne te tuent pas. Tu étais la question. La question dont je cherche toujours la réponse. J'ai l'impression que vous n'êtes pas la seule à ne pas pouvoir quitter cet endroit, Jack. J'ai tenté d'oublier, mais un endroit comme ça, ça ne vous oublie pas. Ça vous suit. J'ai engagé les mercenaires, et je suis revenu il y a pas loin d'une année solaire. On reconstruit petit à petit. Je vais découvrir ce qu'ils savaient. Comment libérer le potentiel biotique réel des humains. Je rouvre le complexe Teltin. Ce sera magnifique. Je voulais raser cet endroit. Et lui, il essaye de remettre le couvert pour se donner bonne conscience. Vous feriez la même chose à d'autres enfants ? On ne vous a pas imposé ça. Ils en achetaient aux familles pauvres sur Terre. Ils en kidnappaient dans les colonies. La plupart sont arrivés ici après avoir été enlevés par des pirates butariens, comme moi. Pour nous faire subir toutes ces atrocités, ils devaient avoir de bonnes raisons.
Il n'y a aucune assez bonne raison. Tu étais là. Tu étais là. Ça ressemblait à une prison. Comment vous en êtes sortis ? Un jour, on a tous attaqué en même temps pendant qu'ils nous emmenaient au labo. Ils étaient prêts à nous abattre, mais Jack a choisi ce moment pour s'enfuir. Quand j'ai repris connaissance, c'était terminé. Les gardes, les scientifiques, les enfants, tout le monde était mort. Et tu étais parti. J'ai tout arrêté. Alors oui, peut-être que ça craignait aussi pour les autres, mais ce que tu fais là, c'est au moins aussi glauque. Tout ce que nous avons subi a bien dû déboucher sur quelque chose. Ça ressemblait à une prison. Comment vous en êtes sorti ? Un jour, quand j'ai repris connaissance... J'ai tout arrêté. Alors oui, peut-être que ça craignait aussi pour les autres. Mais ce que tu fais là, c'est au moins aussi glauque. Tout ce que nous avons subi a bien dû déboucher sur quelque chose. On peut faire sauter le centre, mais reste à savoir ce qu'on fait d'un deuxième comme vous. C'est simple. Laissez-moi là. C'est ici qu'est ma place. Dans tes rêves... Ça ne nous avancera à rien de le tuer. Contrôlez-vous. Moi, ça m'avancera. Je vous ai donné un ordre. C'est à moi d'en juger. Ne me dites pas comment affronter mon passé. Pas comme ça. Pars d'ici, va-t'en. Ça ne vaut pas le coup de le poursuivre, ni de faire tout ça. Si vous avez terminé, on pose la bombe et on fout le camp. Cette chambre, c'est toute mon enfance. Donnez-moi une minute pour jeter un coup d'œil. Je vous attends. Rien n'a changé, mais tout paraît différent. Parfois, je rêve que je suis revenue dans ce lit et qu'on me torture. J'avais pris l'habitude d'attacher les draps autour de mes poignets pour tenter de les arracher. Je veux arrêter de revenir ici. Cette table me servait à tout. C'était comme ma meilleure amie. Je me réfugiais dessous pour pleurer. J'étais ridicule. Je pensais que le reste du monde, c'était cette pièce de l'autre côté. Je passais mon temps à taper du poing sur le mur. Ça n'a jamais servi à rien. Bon, c'est fini, je dois faire quoi là ? Ouais. Droite. Gauche. Gauche. En France. Par là. Bon. Bon, alors, le chemin est... C'est quoi cet objectif qui change sans arrêt? Rien ici, là, là. Là, je pige par... Qu'est-ce que je fasse? Bon, on sort de là. Il y a encore deux, trois trucs que je veux voir. Cet endroit n'a pas changé, non. Mais je vais de surprise en surprise. Non. Voilà. Oh, ce qu'elle cherche. Mais il y a un bug. Oui, il y a un bug ou... Ah, c'est lui, il est en plus. Pourquoi
quoi j'avais trouvé. Par terre, peut-être. Non, je vois rien. Je sais pas. Qu'est-ce que... C'est à l'étage au-dessus. On les a eus. Bon, allez, viens, on se tire de là. Il y a encore deux, trois trucs que je veux voir. Cet endroit n'a pas changé, mais je vais de surprise en surprise. Il y a rien d'autre ici. Ah ben là. Vous voyez cette trace sur le mur? C'est là que j'ai tué pour la première fois un garde qui voulait m'arrêter. C'est moi qui l'ai arrêté au final. Allez, fini de s'apitoyer. On va atomiser cet endroit. Ah, quand même. Et voilà, l'endroit est atomisé. On va rejoindre la Normandie là, hop hop hop, la courbe, il me ramasse, tac, dans les sauts principales. Commandant, Jack et Miranda sont comme qui dirait en train de se crêper le chignon. Vous pourriez aller voir ça avant qu'elle bousille une cloison? Je m'en occupe. Prenez des photos. Tu me touches et je repars à la coursive avec ta cervelle, grognasse. Ça suffit, arrêtez ça toutes les deux. La pom-pom girl refuse d'admettre que Cerberus m'a fait du tort. Ce n'était pas Cerberus, pas vraiment. Mais il est clair que vous êtes le fruit d'une erreur. Va te faire foutre. Tu sais pas ce qu'on m'a fait subir. Faudrait peut-être que je te montre, tiens. Quand vous avez accepté de travailler pour moi, vous étiez d'accord pour participer à une mission de Cerberus. Vous êtes une belle brochette de connards tous les deux. Si vous voulez que je me batte pour vous, d'accord. Mais si vous voulez autre chose, allez vous faire enculer. Merci, et désolé. J'espère qu'elle vaut vraiment la peine qu'on la supporte. Commandant, que puis-je faire pour vous? Vous auriez une minute? Oui, vous avez raison. Il faut qu'on parle. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si c'est le stress, l'envie de décompresser, ou bien... J'ai des sentiments pour vous, Miranda. Et je pense que c'est réciproque. Ce n'est pas le moment de céder à nos émotions. Vous et moi, nous connaissons les récolteurs mieux que quiconque. Nous savons que nos chances de survie sont infimes. Quelles sont ces hormones idiotes qui nous poussent à l'amour au pire moment? Peu importe. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons. C'est pas vrai. Je sais que vous en avez envie, Miranda. Oui, c'est vrai. Alors n'allez pas vous faire tuer. Promettez-le-moi, bon sang. Je suis déjà mort une fois. Je n'ai aucune intention de remettre ça. Donnez-moi un peu de temps. Je passerai vous voir quand je serai prête, d'accord? Oh là là, dur celle-là. Alors, soit je monte dans mes cartes. Le commandant a constitué une équipe impressionnante. Je n'avais jamais travaillé avec autant d'espèces. Une vraie petite armée. Qui sait, on a peut-être une chance. Je vais essayer. Monter dans mes quartiers pour voir si ça change quelque chose. Et au pire des cas, je peux toujours me changer. L'apparence dehors, ça va très bien comme ça. Voilà.
place comme ça. Un peu de musique. Plus soft. Et mes poissons, comment vont-ils? Un peu de nourriture. Pas trop. Alors, les améliorations. On en a fait beaucoup quand même déjà. Ok. Vous n'avez pas de message, commandant. D'accord. On va voir quand même un Joker un coup avant de terminer cette vidéo. Alors comme ça, les récolteurs sont des protéins reprogrammés par les moissonneurs? Je voudrais pas finir comme ça. C'est à se demander si les veilleurs de la citadelle n'ont pas subi le même sort au final. Hé, commandant, Jack est plutôt barré, non? Moi, c'est le genre de petits détails que j'aime mieux connaître. J'imagine que tout est en ordre par ici. Chut. Joker? Elle nous écoute, je vous dis. Je vous écoute toujours, monsieur Moreau. Je sais. Qu'est-ce que vous pensez de nos nouveaux coéquipiers? Alors, si vous voulez parler de votre dernière mission, Grunt est... tout sauf un facteur de calme, commandant. Je ne dirai rien sur Jack. Je suis pas con non plus. Attention, c'est juste mon opinion. N'allez pas répéter ça à tout le monde, hein. Qu'est-ce que vous pensez de notre situation? Le Normandie n'est pas encore tout à fait prêt. Il reste des parties à améliorer. Maintenant, si vous parlez d'équipage, ça, c'est pas mon rayon. Ça vous arrive de penser au vieux Normandie et à ce qu'on a traversé? Ouais, le bon vieux temps. Sauf que le bon vieux temps, c'était un calvaire avec des guettes, sa reine, Sovereign. Et on s'est fait lourder. Bon, c'est sûr, on a connu mieux. Mais on a connu pire aussi, non? Qu'est-ce qui est arrivé au reste de l'équipage? Je croyais que la plupart avaient survécu. La plupart, oui. Presley est mort. Les autres... bah, disons qu'on s'est plus ou moins perdu de vue. De toute façon, l'Alliance ne voyait pas d'un très bon œil la présence de non-humains dans le groupe. C'était votre équipe, commandant. Après votre départ et la destruction du Normandie, nous n'avions plus aucune raison de rester ensemble. C'est tout pour l'instant. À bientôt, commandant. Bien, bien. Eh bien, voilà la mission de Jack est finie. J'ai un peu rallongé le coup avec... Il est assez bon, on peut basculer. Voilà, avec... pas Idea, avec... les timoniers, bien sûr. Si vous croyez que c'est facile de faire accoster un vaisseau spatial... Et des missions, je doute pas qu'il m'en reste. Le codex, je m'en fiche. Le codex, un journal. Grunt. Il y a toujours quelque chose à faire. Ça s'arrête jamais. Sauf la vidéo. Message de vue. Ok. Voilà, voilà, les amis, c'est fini. Bonne soirée ou après-midi. J'espère que vous avez kiffé, car c'est un jeu pas tout neuf, mais qui vaut le coup d'être fait. Allez, bye bye, à la prochaine, c'était Cartman. Ciao, ciao.